Eh bonsoir. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe s'il vous plaît? Arrivé dans le quartier des crimes, ça rafalé dans tous les sens. On a perdu Brighton. Voilà. Il est pas décédé? Si. Oh miséricorde, condoléances. Putain, on a qui? C'est qui le mec avec son voilà? Je te le connais pas, gosse. C'est Tremblay, ça, d'inspecteur. Ok, inspecteur Tremblay, et à ma droite, là, ouais. Tu me touches la cuisse depuis tout à l'heure. Bon, la cuisse, c'est toi qui prends toute la place. Il est en train de me dire que j'ai un gros cul. C'est comment ton petit nom propre? McGuire. Sergent, je vous avertis, je passe aucun arrêt si c'est un crips. Répétez, s'il vous plaît, inspecteur. Il y a aucun arrêt de ma part si c'est un crips. Vous les tirez dessus, c'est que vous êtes en train de parking les airs. Je les amène à la morgue ce soir. Allez, Speedy, descendez du véhicule. Descendez du véhicule. Vous êtes qui, monsieur? Comment vous appelez, s'il vous plaît? Simple contrôle de papier. Moi, je m'appelle Ramon Gonzalez. Vous D'accord. voulez ma pièce d'identité? S'il vous plaît, mon tenez. Cher monsieur. Super. La moto est à vous? Non, tenez. Ah oui, elle est bien à moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites de beau par ici? Eh ben, je rentrais me coucher. Je suis fatigué. On vient de l'intercepter. Ah, putain. Descendez du véhicule. On vient de l'intercepter. Bon, écoutez, vous je plaisantez, Ah non, on va pas plaisanter, là. Je vous le dis directement qu'on va pas plaisanter, okay, monsieur. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Pourquoi vous traînez autour de l'hôpital? Je vous présente, je suis Romuald Legrand, donc je suis le manager de notre star française, qui est... Julien Goldet, ici. Julien Goldet, qui a fait le déplacement spécialement ici. Oui, d'accord. Alors, vous pouvez demander des autographes, mettez-vous... Non, ça, je n'ai rien à foutre. Tout simplement, ce que je vais vous demander, messieurs les stars, c'est que pourquoi vous êtes venu à l'hôpital, sachant que, il y a quelques instants, ça a tiré des coups de feu, mon cher monsieur. Ah bah, rentrez dans votre limousine. Et puis quittez d'ici, putain, vous allez vous faire tirer dessus. Mais dépêchez-vous, la star Julien Goldet. Oh les cons, ils vont se faire tirer dessus là. Descendez les véhicules, et bah sur la tête, s'il vous plaît. Allez-y, faites un contrôle, je m'occupe de la voiture derrière. Elle est wet. RAS. Ok, très bien, voyons, on décolle. Putain. Ça va, messieurs, ceux qui sont pris une balle et tout là. Bon, on va, on fait comment? Ouais, bon courage, les gars, pour le service, pour l'honneur, comme on peut dire. Chez eux, ça, non? Ouais! Allez, viens! Faudrait une personne sur un toit, les petits, pour donner des informations! Ouais, je veux bien, mais on est pas allez, assez, Plo! Si vous êtes blessé, putain, ouais, faites chier! Ouais, j'ai bien le truc! Allez, Plo! Faites chier d'être blessé, gros! Honte, Plo! Mais elle a fermé ta caisse, gros con! Gros con! Merci! Tu veux monter sur le toit, moi, j'ai tremblé, c'est que ta mère! Putain! Mais du cap de quoi, juste ce que je veux, enfoiré! Avance! Gros con, ils savent pas tous se prendre des balles dans le cul, ils savent pas se battre! Ça va, monsieur? Tu veux que je t'aide à prendre des photos, c'est ça? J'ai mes amis qui viennent me chercher là. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous arrive là? Je suis tombé de moto là, j'ai été emmené par l'hélicoptère. Vous avez un justificatif d'identité, s'il vous plaît? Une carte d'identité, un passeport, quelque chose, s'il vous plaît? Simple contrôle, hein? Oui. Hein, très bien, monsieur le garçon. Pas de soucis, ouais. Ouais, par contre, vous foutez pas de ma gueule, hein? Vous êtes lourdement armé pour un mec qui s'est blessé, hein? Moi je me suis pas blessé, gosse. Mais moi, c'est moi qui suis blessé, monsieur. Une M4, vous. Mais vous avez pas vu le dispositif qui est autour de l'hôpital, mon cher monsieur? Vous avez pas entendu les frappes qu'il y a eu? C'est pas pour cette raison que je suis ici, c'est pas pour cette raison, oui. Mais mon seul monsieur, il y a eu des tirs dans la ville de Los Santos, d'accord? Des messieurs lourdement armés nous ont attaqué là, les Speedy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes en état d'urgence. Donc tout ce qui se traîne autour de l'hôpital, on les fouille, on les dépouille, on les fouille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis élevé ce soir! Waouh! Ouais, je suis élevé ce soir! Calmaté. Ouais, moi je suis élevé. Calmaté, quand il y a 15 personnes de mon groupe qui sont tombées par terre de la SPD et qu'une personne est décédée chez nous, je peux vous dire une chose, c'est que la M4 j'ai le... Ouais, Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son... Circulez, s'il vous plaît, circulez, monsieur le taxi, on va pas que ça en fait. Allez, circule, tu mets dans du circule. Y'a des avertissements. Sinon, on tire avec la M4. Circulez. Là, j'aime bien dire ça. Ouais. Arrête-toi, puis dis-le. Fais-le au mégaphone, genre, mais non, mais je vais m'en voiture. Ah, faut en rire. Bon! Oh putain! Soltez le véhicule! Mais c'est vous qui rentrez dedans, bande d'idiots! Vous avez dit bande d'enculés, vous avez dit, madame? Ah non, ça, c'est vous qui l'entendez dans votre tête. Ah, ok, excusez-moi. Alors, je vous explique, nous sommes en état d'urgence pour l'instant, il y a eu une guerre civile qui était... Ouais, voilà, donc vous êtes par sur la zone de guerre. Par contre, c'est vrai ce qu'on vient de m'apprendre? Dites-moi. Le joueur Brighton? Oui. Ah bah, il est situé sous terre. Non, mais pleurez pas, putain, m'a fait le chialer, la grognasse, putain. C'est un ami... Un ancien collègue, oui. Hop, chers messieurs.
Est-ce que ce serait pas les deux messieurs qui avaient en moto tout à l'heure? Ah la mouette! On vient juste d'arriver, man. On a c'est bizarre, vos dreads sont toutes plaquées comme si vous aviez un casque de moto. Non, il y a deux secondes, je l'ai fait dégager. Ça, c'est naturel, donc bien sûr. Pas de soucis, quand même. On est au PDPS. Un papier d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, joli! Je suis au PDPS, je dois venir me charger là, j'en ai marre, je vais les défoncer là. Bah, le problème, c'est qu'on est 4 dans notre patrouille, gosse. Il y a pas ton jardin là, les gars. Ouais, mais on est 4 dans notre voiture, gosse, putain! Bah, je monte dans le coffre, je monte sur des genoux, pas tout. Bah, je vais vider quelqu'un, ouais. Putain, ça part en couille là, putain. Eh, ma caquette! Quelqu'un... Ah, sale le virage. Les gars, il y a un petit peu quand même des petits dans tous les sens. Des mecs s'amusent avec des mégaphones. Vous avez quel âge, hein, Johnny? Hein? Eh, tiens ton malage, McCoy. Tiens ton malage. Fais ton pique. Il t'imite bien, hein. Non, mais sinon, un jour, tu avances, toi, avec ta voiture ou tu te mets une claque dans la gueule? Avance, ta mère, là. Bah, putain, mais. Voilà la vérité. Je sais pas, je pensais qu'on déposait quelqu'un. Dis, ta grosse mère, la pute, avance, là. Je vais faire il y a le gouvernement qui va revenir, donc là, il va revenir donc côté nord, l'entrée nord. Il essaie d'imiter, mais il arrive pas, ce fils de pute. Fils de chien, là. Mais qu'est-ce que tu fais, gros veau? Mais il fallait une voiture, gros veau, putain, il est fini à la piste, gosse. Bon, qu'est-ce qui se passe là maintenant, patate de là? Va te changer, gosse. Tu peux venir avec nous ou comment ça se passe? Viens avec vous, mon bailé. Allez, viens, Johnny, viens, gosse. Putain, bien coup de frein. Bah, de ma gueule à. T'as quoi la moitié? Coup de frein, bande de bâtards. Qu'est-ce que t'as dit? Corban. Oui. Il a chié sur la caisse. Ça, c'était cadeau. Il a déplacé un meuble, con, putain. Oh merde! Chope-le, gosse! J'ai le droit de pit après les sommations, hein, les motocross. Le mec, il est en train de regarder dans son rétroviseur, puis vas-y, va tout droit, il va ressortir de l'autre côté. Ouais, dommage. Franchement, hey, on ferait un quadrillage à deux rues différentes, on les mettra à l'amende, ces petits connards. Il poursuivait un motard. Mais alors que ta grosse mêle, née de bœuf, t'as eu ta gueule? Toi, t'es fini au chien de casse, moi! Regardez, c'est plus quoi? Regardez, tu ressembles à une tortue, gosse, avec ton bélé dans le cul de mêle. Thorax de pigeon, va. Mouette. Espèce de fiente de merde. Fiente de merde. C'est la même chose, en fait. Une fiente et une merde, c'est la même chose. Ouais, mais le mélange des deux, ça donne quoi, du coup? De la merde de chien, de la fiente de pigeon, c'est pas mal. Tu jettes sur la gueule. En tout cas, super bon les cachets des anomalies geeks. Ah bah, il paraît que ça drogue la gueule, ça, gosse. Fais attention de pas trop en prendre quand même. Quoi, ma gueule? Non, ça fiente de la gueule, ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est là, ma gueule, Elle a rien. Oh, y'a le fils de pute de mode qui m'appelle. Le mec devant, j'ai le pite. Bonsoir, sombre fils de pute. Oui, je t'appelle pour te dire que t'as vraiment une sale gueule. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai une sale gueule? Parce que j'ai écarté le gros cul de ta grosse mère, la noire. J'ai foutu ma gueule dedans, elle m'a tout écrasé, j'ai plein de cellules sur la gueule. J'ai identifié le cul de ta grosse mère, d'accord, gosse? Il se met de l'autre côté. Il se met du côté du sens opposé de la route, c'est ingénieux ça. La bière. Ok, alors attends. Ah non, on vient au milieu. Attends. Non, mais pas ici, parce qu'elle va être passée derrière nous, gosse. Vas-y, vite, jamais derrière la voiture, toi tu la mets devant, vite. Tu te mets à 100 mètres plus loin là. Ou t'es au cas supérieur, allez, d'accord? Allez, voilà, allez, voilà. C'est où devant, derrière? Ah il se passe quoi la radio là? Je me suis assis sur le truc, j'avais de punaise sur mon siège, désolé. On va les aider. Je vais te fumer. Avance. Descends de ta voiture. Ah mais j'ai rien fait. J'ai mal, qu'est-ce qu'il fait Yves la mouette? Descends de ta voiture. Ouais, on conduit super bien mon mouette. Quoi? Il a pris les deux en plus. Ouais, bien joué les gars, il a pris les deux, il a voulu éviter la première, la deuxième, et hop dans ta gueule la mouette. Johnny, tu prends une voiture, on le ramène, on te suit derrière. T'as entendu Johnny? Ouais. Bah Johnny, vraiment, je conduis cette merde du sud là. Bah si je la prends. Mais il va me taper aussi ce connard là quand je vais arriver.
Bouge pas, je te donne les clés. Aïe. Tu veux les clés ou pas? Mais par contre, si tu touches encore une fois, je te mets un coup de matraque. Ouais, je suis désolé, il était mérité cet homme. Pourquoi? Allez, donne-moi les clés. Allez, c'est bon. Vous apprendrez à rouler la prochaine fois, les amateurs. Et amateurs. Le train. Va devant l'hôpital, faut qu'il nous tape devant l'hôpital, qu'on sait se frangler les poils supérieurs. Bah alors, là, on nous tape pas dessus, la mouette. Non, ça vient vers nous, ça vient vers nous. Il y avait Orak qui voulait nous parler. Je crois. Mais la mouette. Steven, lieutenant Fall, est-ce que vous voulez de venir à l'intérieur? Ah bon. Putain, mais vous êtes con, mec. Qu'est-ce que vous faites encore? Bah, on vous attend. On attend les holds. Fantastique, ma vie n'est pas fantastique. Chica chica, calma calma, viens dans mes bras. Si t'es mineur, viens dans mes bras. Ce bout de latina, j'en inverse ma corona. Vas-y, mou tranquille. Hey. Ouais. Oh là. Hey, c'est un peu fort ta musique, gamin. Eh oh, calma calma, on va se détendre un petit peu là. Par contre, j'ai bien aimé une chose, c'est que t'as dit si t'es mineur, tu viens me voir. Ça, j'aime bien. Et on est obligé de sortir avec les mitraillettes, c'est la fête du slip. Ben ici, nous sommes exactement en état d'urgence pour celle monsieur, d'accord? Il y a eu une guerre civile qui a eu lieu, il y a eu deux. Mais ferme ta putain de gueule, je te dis que c'était deux rues juste avant, d'accord? Donc tu vas nous donner tes papiers, on vérifie ton identité, mais c'est quoi ce délire là? Non mais j'en ai rien à foutre qui nous dit, va nous faire la loi ici même, tu sais. Il nous a pris pour qui, Johnny? Je vous parle pas, tête d'œuf, d'accord? Maintenant ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Et quoi? Tu sais, moi, les bavures de policiers, c'est facile à essuyer. C'est pas le premier, hein? Allez, on fouille tout ça, là. Tu circules, toi. Tu circules, s'il te plaît. État d'urgence. Mettez-vous sur le trottoir, l'état d'urgence. Vite, vite, vite. Allez, on laisse. On va sécuriser l'hôpital avec le lance-pad, mais il n'y aura pas de... On y va. On laisse le silicone calder, on y va. Allez, tirez-vous. On se tire parce que t'es moche. Poutou, je suis pas ton pote, d'accord? Je suis pas ton poteau, comme on peut dire dans le métier, hein. Ouais. Eh, va te raser les cheveux, va. Tiens ton volant, va, délinquant, va. Je suis à deux doigts de mettre des coups de M4 dans les gueules des gens. Ouais, faites attention à la radio. Tout le monde est sous la radio, ici? Ouais. Très bien, je m'occupe de faire de la communication. Toi, tu conduis, et Johnny, tu tires. Ok, c'est parti. Allez. Non, arrête. Bah, qu'est-ce qui se passe, Paul, ici? Vous descendez, dernier avertissement. Ouais, c'est bon. Oh là là. Tu prends ta petite voiture, de fils de pute et tu te casses d'ici, t'as bien compris? Eh, va te faire un coup, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ok, donnez-moi sa voiture. Là, il fuit. Mais elle est garée, ma voiture, qu'est-ce qu'il veut? Eh, vous êtes sérieux, là? Aïe! Laissez ma voiture, aïe! Allez, hop, je te tasse la gueule! Allez, au secours! Allez, hop, une deuxième fois! Oh, mais oh, il s'est pris pour qui, celui-ci, là? Oh! Vas-y, bouge, tu tires, hein. Super. C'est bon, je t'enlève tes menottes. J'ai vérifié ce que je voulais vérifier. J'ai cru que t'avais une arme. J'ai cru que derrière tes oreilles, tu cachais quelque chose, hein. Eh non, mais bien que je suis nu comme un. Ouais, bien sûr. On s'en va, les gars. Eh, Johnny. Oui. Ta gueule. Eh, ta gueule. Ferme ta gueule. Bon, comment va le cagole là, ton meilleur copain? Yes, je vais enculer, bâtard. L'autre fois, il nous a dit t'étais pas là parce que tu causais des voitures, je sais pas quoi, comme un enfant de la DOS. Je lui ai dit, De quoi? Mais n'importe quoi. Un connard. Mais oui, je suis parti en Espagne, au NASCAR. Ah, t'es pas de l'Espagne, c'est pas de la France, t'as dit. Mais t'es français aussi, je suis con. Mais non, je suis pas français, moi, putain. Ah, excuse-moi, t'as pas le mot. Je viens de Nashville, moi. Non, mais j'ai visité la France, hein, c'est bien dégueulasse. Hein. Ah, c'est tout aussi dégueulasse qu'ici, on est d'accord. J'étais à Dijon. Ah, attendez, où c'est ça? À Dijon? À Dijon. T'as mangé ta moutarde et tout, le truc qui picolait? Oui, j'ai. Ah, bah, c'était chez moi, ça fait de vos choux à une heure de route, quand même. Hein. Et même j'ai la crème de cassis. Hein? D'accord. Allez, on va voir, j'ai un jeu. Bon, ouais, Gilles, ça me fait plaisir déjà que tu sois sorti du coma tout le bolden, hein, parce que putain, moi j'ai eu l'information que t'étais inconscient, hein. Donc, tiens le coup, putain, tu crois que t'en as pour combien de temps, tout ça? Je sais pas. Et les crypts, il y en a qui se sont fait shooter aussi? Ouais. Les gars, vous êtes au courant de ça? Tu l'as encore joué solo, comme d'habitude. J'étais avec les inspecteurs, connard. Oui, mais d'ailleurs, il y avait aucune autre brigade d'opération.
Il y avait que vous. Bah si, il y avait les... Pour info, juste un petit informatif, les Crips sont arrivés à la route 68, ils ont braqué tout le monde. Ils veulent tuer les Millars. Terminé. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu à la radio là, les gars? Et ils parlent des Crips qui étaient route 68 et qui veulent tuer les Millars. Voilà, mais n'y allez pas, qu'ils nous ont dit. Donc ça, c'est la quote de cette information. Ouais, ça commence à me saouler un peu tout ça, mon gingel. Je termine ma fin de service et je dépose ma plaque. C'est le 17 de l'année. Je termine ma fin de service et je pose ma plaque. Il y a plein d'incohérences au bureau du shérif, au bureau de l'SPD, pardon, pas des shérifs. Et j'ai envie de te dire que c'est plus du tout dans mes valeurs. Depuis qu'on ne sonnait pas le ti, j'y arrive plus. Je suis obligé de me faire violence pour venir travailler. Quoi, tu vas nous laisser tout seul? Je vais pas vous laisser tout seul. Vous allez recruter, vous allez faire à votre manière, c'est différent. C'est une autre page qui se tourne, qu'on peut dire. Tu penses? T'attends même pas de lui dire en face et de lui donner à lui sa plaque? Ah oui, Cagoule, si, je vais revenir pour lui donner ma plaque. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne verrai plus au shérif. Elle sera dans un sac et je lui donnerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas à lui que je l'ai donné, c'est au capitaine, hein, n'oubliez pas, messieurs. Lâcheur. Mais c'est pas que je suis un lâcheur, c'est que j'en ai marre, putain de bête. Hein, tout est incohérent. Regarde encore ce soir la radio. Regardez les peintres qu'il y avait en bas du bâtiment. C'est comme ça que ça se passe? Non. Et à chaque fois qu'on ouvre sa gueule parce qu'on n'est pas là assez souvent, on se fait écraser la gueule. Et ben moi, je leur pisse au cul tous autant qu'ils sont. Surtout les lieutenants, le Ben Ruby, tout ça. D'accord? Ils ont déjà enlevé on va dire, l'objectif principal de Hanson qui était d'être capitaine. Ils ont pas cru en ses forces alors qu'ils ont créé quand même les shérifs depuis pas mal de temps. Et on peut dire une chose, c'est qu'ils ont fait une belle chose. Et attention, hein, je suis pas en train de dire que Hanson fera du mauvais boulot, parce qu'il fera du très très bon boulot, j'en suis certain, le cagone. Bon, de toute façon, je reviendrai un de ces quatre pour de boire un coup avec vous quand même, les gars, d'accord? Mais tu vas faire quoi, du coup, après avoir pris ta plaque? Toi, blessé tout seul. Franchement, j'hésite, j'ai un bon ami qui crée une entreprise en France, mais ça me fait chier de retourner là-bas. Donc je sais pas, je crois que je vais rester un petit peu sur Los Santos, je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi t'ouvrirais pas un ranch? Ouais, tiens, franchement, tu m'as déjà vu travailler, hein, Lionel, mais t'as il pas de l'œil. Non, c'est vrai, tu jamais vu. J'ai jamais ouvert un seul putain de rapport, quoi. J'ai pas que ça à foutre. Ouais, je suis là pour le social, le relationnel, moi, la call, le reste, on laisse les carrés, faites ça, faites ci. Hein. C'est pour ça que tu pars en France, vendre des capotes, connard. Mais c'est pas une entreprise de capotes, c'est une entreprise de tacos. C'est des tacos à domicile, je te jure. Il a une petite pétrolette dans les villages comme ça, puis à chaque fois qu'il va klaxonner, c'est comme les camions à glace quand on était petit. Et puis il va vendre ses tacos, le con. Et il avait besoin de personnes qui distribuent des petits flyers et tout ça. Et bah, surtout qu'il a une maison et tout ça, je pourrais crécher gratos, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est autre chose. Ah, écoutez, vous savez, dans deux semaines, chacun sera oublié, comme on peut dire. Faites votre travail comme il se doit, restez comme vous êtes. Ne changez pas vos valeurs, parce que tous autant que vous êtes, vous avez été sélectionné par un grand monsieur qui s'appelle quand même Monsieur Hanson. Il faut se le dire. Et oh, vous êtes par toi, c'est toi qui m'as sélectionné. Oui, mais parce que j'étais aussi sous l'alchimie du shérif Hanson. Même si... T'es un bon élément, mon petit joli, d'accord? T'es un bon gamin, t'as été accepté. Golden Outie, change pas, gosse, t'as les vraies valeurs. Et Gingel, toi, t'as la valeur du travail, putain, mais tu t'arrêtes jamais, Dieu, hein? Hein, tu t'arrêtes jamais, toi? Oh, c'est vrai que t'es jeune, hein? T'es un petit peu opportuniste, comme on peut dire, hein? Ah oui, bouillard dans tous les coups, là, il est partout. Non, mais dis pas ça, sa copine ici, il est con. Ah merde. Il est con, c'est qui? C'est Marguerite, là, ou c'est Lucie qui est ici? Quel monde de connards. Hein? Madame, vous êtes madame? Elle me l'a dit tout à l'heure, Lévis. Ah oui. Alicia? Non, c'est Madame Lewis. Alicia? Alicia? Mais ouais, mais Alicia. C'est pas elle, on est d'accord, les gars. Des connards. Mais on chatouille un peu, on rigole, hein, Dieu. Plo, tu peux m'aider à me mettre sur le côté, s'il te plaît? Ouais, viens. Allez, aide-le, Plo, vas-y. T'es prêt? 1, 2, 3. Allez. T'as un peu de mettre dans le caleçon, non? Ça pue, non? Il a du shit dessus, lui. Ah, c'est, non, c'est moi qui ai pété il y a quelques secondes. Bon, allez, les vidéos. Bon, j'ai un jeu. Alors, voyou, hein. À bientôt, mes gingers. Allez, bah, toi aussi, gosse. Repose-toi bien, putain de merde. Au revoir, madame Alicia. Allez, bonne soirée à vous. Bref. C'est dans le nord, du coup, là. Bah, moi je prends ma fin de service, après les pioches, parce que moi je pense aussi, ouais. Enfin, dis pas vous, ils traînent dans le nord, les cryptiques. Et Walker au PDP. Ok, d'accord. Ouais. Attendez-moi, on va rentrer tous les trois. Ok. Attendez, d'ailleurs, je crois qu'il y a des voitures de shérif. Ah, oh, mais il y a la mienne dedans, attends. Il y a la mienne personnelle en plus. Ouais, moi c'est pour ça que je viens. Ouais. Mais recule-toi, putain. Il veut pas gobarder, bro, non. Mais je parle pas, là, je prends ma voiture, je vais avec vous dessus, viens. Regardez ma caisse, les gars, vous l'aimez ou pas? Putain, elle est trop stylée. Et tu me la donnes avant de partir? Attends, je réfléchis, hein. Mais je l'emmène avec moi en France, si hein. Tu restes... Ah ouais.
Hey, enculé, s'il doit donner quelque chose, c'est à moi, c'est mon mentor, c'est pas le tien, enculé. Hein. 17 pour Sergent Plot. 17 officier Warner. Bonne soirée. Les 17 de Gordon, en fait, c'est un 17 de toute la P3. Ouais, toute la P3. C'est quoi ce collier de merde? Ta gueule, c'était pour me foutre dans la masse. Chez un jeune de la cité qu'on peut dire des gens, tu vois. Et le beat est beau. Je viens pas de pas là, mais de mardi, comment? Tu vois. Ça, je suis un chanteur, moi. Moi, je m'appelle pas Jolie Hallyday. Chante, vas-y, chante. Ouais, je suis pas un chanteur, moi, je suis pas un chanteur. T'as dit que je suis un chanteur, moi. Je suis pas un chanteur, moi. Allez, bonne soirée. Hey, vous êtes là vendredi, tu vois, j'allais vous dire au revoir, quand même. Ah ouais. Non, tu pars pas, de toute façon, je te melote. Vendredi, à 22h, je serai là. Ah ouais, vas-y, j'essaierai de venir aussi. Allez, vous faire un petit bisou, voilà, tout ça. Et puis voilà, quoi, au bout d'un moment, faut pas décoller. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on peut dire, joli, hein. Ah, t'as raison, fais ce que tu veux. Tu as sucer le bon cagole. Aïe, mais arrête, putain, mais écoute, tu t'as eu. Johnny, à vendredi. Mais ferme ta gueule, tu peux aller lâcher le fils de l'âge là, d'accord? Je suis ici, monsieur. À vendredi, quoi. Ah oui, je te vois. Mais t'inquiète pas, je serai là, Johnny, je serai toujours en toi, quoi, on peut dire. Toujours le quelque chose en nous de Tennessee, d'accord?